Bonjour, samedi matin. On a acheté hier des petits pains au chocolat surgelés. J'imagine qu'ils vont grossir parce qu'ils sont vraiment tout petits, mais je les connais pas ceux-là. Bon, 8 minutes plus tard, ils sont toujours aussi petits, ça s'est pas développé. Ils sont peut-être très bons, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas pour les Jacquelines. Non, ah, la pâte elle reste. Non, sois mignon. Nous sommes donc samedi matin. Et qu'est-ce qu'on fait le samedi matin? On envoie des box. Il fait moins 1. Eric est manche courte. Je comprends pas le délire. C'est pour ça, moi, quand on dit là, t'es embêté, quand je veux dire. Oui, mais c'est sûr. Les enfants, s'il n'y a rien que ça. Ouais. On a déposé les box, ça c'est bien. Comme je dis, je vais continuer tout à l'heure. Là, je vais ouvrir le calendrier, la case d'aujourd'hui. Je crois que j'ai oublié de vous montrer hier aussi celui que j'ai fait à ma maman. Donc, je vous montrerai et la journée d'hier et aujourd'hui. On va commencer par celui-ci. Est-ce qu'on le voit? Est-ce que tu savais que le calendrier de l'avant, ça veut pas dire avant? Une couche d'après, ça veut pas dire après. C'est marrant, non? Oui, c'est vrai. Et tu vois, les fêtes de fin d'année, ça me fait réfléchir à ça. Attends, pareil, quand on dit le cœur, c'est de la plomberie. Regardez, on dirait la horte, on dirait les artères. Non mais carrément. Ouais. Bah bien sûr, et les artères et tout et tout. On va ouvrir le calendrier, bichon. T'es beau, toi. Oh, mais beau celui-ci, dis donc. C'est quoi cet œil? On dirait un dinosaure. Ah, il me plaît vraiment beaucoup. L'année prochaine, on verra bien. Si je reprends un calendrier, ça sera un seul et de qualité, quoi. Alors, on en est où? Vous avouez que je sais plus. Nous sommes le 16 décembre. Petite case. Ah! On ne l'attendait plus. J'ai même pas fait de prévision. C'est le fameux petit parfum miniature trésor. Je crois hein, que c'est trésor. Alors, est-ce que c'est une nouvelle édition? Des fois, ils font des rééditions hein, avec des senteurs, ils rajoutent des fragrances. C'est super mignon. J'adore les miniatures des parfums. Avant, quand je dis avant, c'était il y a peut-être 15 ans, 20 ans. Ouais, 20 ans. Quand on allait dans une parfumerie et qu'on demandait des échantillons, je vous assure qu'on avait des échantillons. Mais des échantillons, genre de parfums, des sublimes miniatures, plein de choses comme ça. Là, c'est quand même... t'as plus, ça. T'as plus. Alors, attends, on va quand même sentir. Ça sent bon. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est toujours sombre, il y a la lumière, nananana. Tant que c'est pas réglé, cette histoire de fenêtre. Non, ça, c'est bon. Oui, ma maman. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte, hier, je lui ai trouvé ce gel douche bio. Il sentait vraiment très très bon. Ensuite, alors, le fameux coffret de mini bougies avec un dégradé violet, fuchsia. Il est super beau, ça sent très très bon. La tâche est dorée, enfin même le boîtier lui-même est très beau. Là, je pense qu'on est à jour sur les cases. Je repars. Produire. Et demain, donc dans ce vlog, hein, parce que je vais vlogger, je pense, donc aujourd'hui samedi, dimanche et puis lundi, puisque parution, il faut aussi que je tourne la vidéo Box le Boudoir de décembre. Je pensais la publier lundi, mais peut-être je vais faire mardi, je sais pas. Bon, bref. Demain, nous avons prévu d'aller, vu que c'est ouvert, dans un centre commercial, très certainement Chartres, je pense, pour des achats de Noël et puis se balader. Voilà, ça va être le programme de demain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, ok, donc si on fait ça dimanche, aujourd'hui, samedi, c'est à bloc. Ah, je vous ai pas montré aussi le nouveau thermostat de Dietrich. Il est très beau, très classe, voilà. Bel objet. Dimanche matin, je vous ai quitté hier en fin de matinée quand je suis revenue de la poste. Et j'ai enchaîné toute la journée, je suis contente, j'ai hyper bien avancé. Il me restera encore un peu demain pour finaliser. Donc ça, c'est cool. Là, on s'apprête à partir comme prévu sur Chartres, il est 10h58. On va essayer de manger là-bas. Je dis essayer parce qu'en fait, on n'a pas réservé. Et souvent, c'est quand même pris d'assaut pour après enchaîner sur des petits achats de Noël. Voilà, sans pression. Je voulais quand même m'attacher. Là, je me suis lavé les cheveux. Et quand je me lave les cheveux, ils sont évidemment très plats. C'est pour ça que je mets souvent, je fais des coques ou machin pour essayer de les structurer. D'ailleurs, j'ai rendez-vous cette semaine. Coiffeur. On a regardé ensemble avec ma coiffeuse. Je crois que ça fait plus de 3 mois. Plus de 3 mois, ça se voit. Calendrier. Elle est où? Ah bon, ça c'est... Je pense que c'est un call. Je dirais un call, puisque mascara, on en a déjà eu 2. Eyeliner, je pense pas qu'ils en mettent. Donc allez, un call noir. Rien. Pour une fois, j'ai réussi. Basique, impeccable. J'ai fait une coiffure approximative.
le petit boudin là-haut, les petites mèches qui retombent. Mais le problème, c'est que derrière, ça va pas être Jojo avec sa racine foncée. Je préfère pas regarder finalement derrière. On va laisser comme ça. Je pense qu'il va y avoir pas mal de monde quand même. Hein. Nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette idée, enfin surtout moi. Toi, c'était pas ton délire de venir. On est où là? Je pense pas que ce soit. Ouais. Il n'y a pas tant hein, de monde que ça, regarde, il y a pas mal de place. J'ai envie d'être dans ce manège. C'est des cabines de ski, non? Oui. Ouais, on n'a jamais été à l'annexe. C'était pas gagné. Nous avons l'étage. On remarquera qu'il est encore bras nu. Alors qu'il fait 1 degré. Tu as une sensation que tu n'aimes pas, qui est le point. Les desserts, ils ont l'air salopards. Mi-cuit, pain perdu, brioche, machin. Oh, il y a un baba au rhum. Façon Kouglof. T'as pris quoi comme cocktail là? Un Tijuana. Moi j'ai pris un gin tonic. Bavette saignante avec, regardez les frites, elles ont l'air hyper bonnes. Est-ce que j'ai honte du baba au rhum? Un petit peu, mais pas tant, hein. Pas tant. Café gourmand. Bon, vous l'avez remarqué, on a fini de manger. C'était très bon. C'était très très bon. On a passé un pur moment. Mais nous étions 2,95 euros. Bon, on s'est fait plaisir. Le baba au rhum, il n'était pas fou. Moi, depuis que j'ai mangé le baba au rhum au Sable d'Olonne, il n'y a aucun baba au rhum. Quoique celui que j'ai pris en boulangerie était pas mal. Mais là, il était sec. Il était... Non. Tu vois, je l'ai payé genre 9,80 le baba au rhum. C'était pas bon, je l'ai même pas terminé. Mais bon, là on va aller acheter des petites cartes postales. Oh, j'ai vu un truc qui est trop mignon. Attends, vas-y, je te dis après. Voilà, j'en avais marre, j'ai retiré mon truc là, qui ressemble à rien sur le dessus. Alors, j'ai vu une peluche. J'ai toujours été assez sensible aux peluches. J'en achète jamais, on est d'accord. Quoi qu'une année, ma maman pour Noël m'avait acheté en plus une petite peluche très très belle. Mais là, j'ai un coup de cœur. C'est une peluche. Premier abord, qu'elle a un peu débilos. Mais je sais pas, c'est moi je marche au feeling. Et je crois que je vais craquer, je la trouve trop mignonne. Je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un renard? Je sais pas. Elle est là. J'aime son air un peu débilos. Elle me plaît beaucoup, cette petite peluche. Oh non, les tontons flingueurs version chausson. Comment il s'appelle, lui? Bernard Blier. Ah, c'est Blier et bien sûr Ventura, quoi. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est? House of M, c'est quoi? Ah bah oui, Marvel, bien sûr. Oh, il est beau, hein. Magnifique. Magnifique. 90 euros, sa BD, Marvel. Nous sommes à la FNAC, c'est ouf ça, regardez, en Lego, la machine a écrit. Évidemment, je pense pas que ça fonctionne, Eric me dit, ah, méfie-toi. Oui, parce que tu crois fois, sont capables. On peut savoir ce que c'est, ce cas. Mais arrête, c'est bon, c'est le Père Noël qui m'a confié les trucs, je n'ai rien à dire. Ah. Qu'est-ce qu'il m'a confié? Qui? Le Père Noël. Alors là, franchement, je pense que tu es dans le même cas de figure que moi. J'ai extrêmement envie d'aller faire un petit pipi. Moi aussi. Voilà. Tu m'as dit que tu peux sachant que... Non, mais je vais me retenir. Mais à un moment donné, c'est compliqué, quoi. Ah oui, bah moi aussi. Parce qu'après, on va aller dans un centre commercial. Il faudrait qu'entre-temps... Ah, là, celui-là, il ne va pas être vendu. Pourquoi? Réparation automatique. C'est mal barré. Tu crois qu'on peut faire pipi dans le parking ou pas? Oui, tout à fait. Ah bon? Entre deux voitures. Alinéa 7, article 2. En cas de force majeure, il est autorisé de s'asseoir entre deux voitures et de procéder... C'est compliqué. Ok, ça me va. Oh purée, on n'en peut plus. On va aller boire un café. Là où on était allé au Grand Monarque. Enfin, un café. On va boire un petit truc, quoi. C'est Noël. On va boire un café. C'est ouvert au moins? Il y a un bar tabac qui fait un réveillon. Merci bien. Après. On est au Grand Monarque. On va se prendre un cocktail. C'est toi qui m'as dit prends un mail. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas d'alcool dedans. T'as une tête. Oh, mais attends, il est 15h, mais je vais être complètement chlassos là. Ah ouais. Oh lolo, le chef-d'œuvre, il dit. Les Anglais disent chef-d'œuvre absolu. Les Danois, ils font. Oh putain. Les Danois. Du genre, on t'a réveillé les papilles. Merci. Et les cocktails nail. Je souhaite une excellente dégustation. Merci. Un bon chin quand même. Joyeux Noël. Là, tu peux faire un Saint-Sylvestre avec tout ça. Tu m'étonnes. Ouais, c'est bon.
C'est bon, mais je viens de manger une bavette avec des frites, un baba. Allez, on va au centre commercial. C'est joli ça aussi. Mon cadeau est toujours là. Il est magnifique ce tableau. Ça ressemble à une œuvre de Victor Hugo, parce qu'il faut savoir que Victor Hugo a fait des peintures. Et il y en a une notamment, je crois que c'était Notre-Dame qui l'a peint. Un peu tourmenté et ça ressemble. Lequel tu trouves beau? Tous. Celui-ci? Ouais. Il est beau, hein. Je l'aime beaucoup. Ouais, je sais. Tu veux me l'offrir? Oui. C'est vrai? Oui. Tu sais combien il coûte? Oui, bah, dans 5 ans. Quoi, dans 5 ans? Bah, c'est à peu près dans 5 ans, je crois que je l'offre. Ah bon, pas avant? Non, dans 5 Noël. J'adore le sac Grand Monarque. Les prix s'oublient. La qualité reste. C'est tout ce que attention, parce que la dame parle. Nous sommes là, bonjour. T'as toujours mon petit cadeau? Oui, bah oui, ça. Tu fais quoi comme cadeau, toi? Maison du monde, Eric reste dans la voiture, c'est trop pour lui. C'est vraiment le genre de miroir que j'adore. J'en ai déjà un très beau d'ailleurs que j'avais eu à Maison du monde. Mais il m'a l'air quand même très très beau celui-là. C'est vraiment joli ce coin. Hein. Je l'ai déjà montré l'autre fois, mais le fauteuil est magnifique. Il y a un monde. Non, on ne sait pas où est la bagnole. Faudrait qu'on la trouve avant le 24 décembre quand même. Oh, regarde le ciel là-bas. Le coucher de soleil orangé. Par contre, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Je m'en doutais un peu. Ah, elle est là. Non, c'est pas elle. Ben voilà. Sur la route, on a même failli bifurquer, aller dans les petites routes de campagne et je lui dis ouais, non, c'est rien, on verra encore moins et tout. Mais je crois qu'il était à 60 au lieu de 80, tellement c'était du délire. Mais t'as toujours des personnes quand même, même si tu ne vois rien, qui se mettent à doubler, genre en mode t'inquiète, moi je vois, c'est du délire. Je suis barbouillée, je sais pas si c'est d'avoir fixé, d'avoir été hyper focus, d'être un peu son copilote. Et, ou peut-être un peu ce que j'ai bu aussi. Jack, il est 18h43. Ça tombe à 19h, ces croquettes. Enfin, 19h, pas qu'à 19h. 5 fois dans la journée. Comme je vous disais, j'ai trouvé quelques petites choses, mais pas tout. Qu'est-ce que moi, je me suis trouvé? Donc, à Maison du Monde. Ça. Il n'en restait plus que deux. C'est 3 sachets diffuseurs que tu mets sur des poignées de porte. Je pense, j'ai pas senti, là vu que je suis barbouillée, j'ai pas forcément envie de sentir. Hop, on a celui-ci, voilà, celui-ci, vous voyez un peu les différences, et nous avons celui-ci. Bon attends, je sens rapidos, ça me va, c'est subtil, c'est très très subtil, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Je pense même que je vais les suspendre dans les deux salles de bain, et peut-être celui-ci dans l'entrée. C'est très mignon. Quoi d'autre? Je me suis fait un petit cadeau chez Jeff de Bruges. Regardez. Leur nounours guimauve caramel. La boîte est super jolie. Et je crois que tu as chocolat noir et tu en avais un autre genre chocolat au lait, cœur abricot. Donc moi, j'ai préféré prendre celui-ci. Et bah, le reste, je peux pas vous montrer. J'ai également acheté des petites cartes comme ça. Ah, celle-ci. Et celle-ci. J'ai très très envie de boire de l'eau, de me poser, de me changer. Et ça sera déjà pas mal. Alors oui, ça, si jamais ça vous intéresse, 12,50€ ou 12,80€ la boîte. Lundi matin, nous ne voyons pas grand-chose. J'avais complètement zappé que le plombier passait. Vendredi, j'avais appelé pour dire que la pression était très basse. Enfin, on trouvait qu'elle était basse, elle remontait, elle baissait. Mais surtout, il y avait aussi un radiateur qui fuyait, qui ne chauffait pas aussi. Donc, il allait checker ça, mais j'avais complètement zappé. Donc, j'étais là tranquille ce matin. Je prenais mon temps jusqu'au moment où ça m'a fait tilt. Bon, c'est pas grave. Là, je vais déjeuner. Arrête, bébé. Donne. Je vais déjeuner. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée. Très très grosse journée, 2 vidéos à tourner, du montage, forcément, partir à la poste, emmener les dernières boxes, faire les dernières boxes, et ce sera déjà pas mal. Jack, ce que vous entendez, il est en train de jouer avec la petite attache du papier de pain, qui s'amuse. Ah quoi, attends, c'est peut-être un jeu, il peut peut-être faire aller, non? Non, il s'amuse bien.
Allez, confiture. Café surtout, café. Café, café. Le plombier vient de passer, mais j'attendais parce qu'il m'avait dit 9h, il est 10h. Au moins ça c'est fait. Là je suis en train d'installer les projos. Putain, il joue encore avec son truc. Parce que je vais tourner donc la box de Noël, le contenu. Je vais me changer, forcément. Et voilà. Juste avant de me changer, je vais ouvrir le calendrier. C'est à quoi est-ce que j'oublie. Alors, le 18, il est où? Ici. Tube? Peut-être pas. Allez. Eh, tube. Tube absolu. Je crois que c'était la crème, je sais pas, qui coûtait très cher. Ah, c'est sympa. C'est donc la gamme absolue. Crème pour les mains hydratante et reconstituante. Attends, fais voir un petit coup. Hop. C'est une odeur qui est très agréable. Bon, bah voilà, impeccable. Très bien. Celui de ma maman. La mini cloche déco. Voilà, voyez ou pas, la petite cloche décorative dans laquelle bah, normalement tu mets des cookies, enfin des jolis petits gâteaux, mais la connaissant, je pense qu'elle va mettre une déco. Mais c'est vraiment la petite cloche, elle est trop mignonne et bah, elle l'aime beaucoup. Bon, bah je me change et je tourne. Voilà, rouge à lèvres que j'ai eu là dans le calendrier. Et ma cape, je la trouve tellement jolie, je trouve que voilà, ça matche bien, on dirait que j'ai un carré d'ailleurs. Je perds pas de temps, j'ai mis les petits projos, on est bon. C'est une fin de tournage, il a fallu que je change à 2 reprises la batterie. Entre temps, Eric est rentré à 11h, donc il fallait que j'attende parce que voilà, qu'il n'y ait pas trop de bruit. Et bah là, je vais commencer hein, le montage. Non, il faut que je finisse les box, je fais le montage, par contre, je ne sais absolument pas. Est-ce que... Non, je pense que la box de Noël, je vais publier mercredi, puisque j'attends quand même que tout le monde l'ait reçu. Je pense que mercredi, tout le monde l'aura reçu. Et bah, ce soir, donc lundi, je poste un vlog. Ça y est, ce sont les toutes dernières box qu'on va faire partir à 14h dès l'ouverture de la poste. Tout est millimétré hein. Au niveau du timing, c'est du délire. Je vous dis, c'est du cardio ça, tous ces alertes. 11h53, je vais pas trop avoir le temps là de commencer le montage. Je sais pas. Je vais déjà ranger le séjour, hein, parce que ce genre de projet, ça encombre pas mal. Il est 13h46, je vais charger la voiture. J'avais oublié que j'avais mon rouge à lèvres. J'aime pas trop sortir avec le rouge comme ça, parce que bah, parce qu'il est quand même très voyant. Bon, bref. Ok, c'est bon. Les box, toutes les box sont envoyées. Et ça fait bien plaisir. Il doit être 14h30, je rentre, je fais le montage de la vidéo. La deuxième vidéo. Et à 17h, Eric vient me chercher pour qu'on aille faire des courses. Et... Donc je dois arrêter maintenant ce vlog. On se retrouve mercredi et jeudi. Par contre, lundi 25, il n'y aura pas de vidéo. Ça sera très certainement mardi 26. Voilà, puis après on reprendra normalement les parutions. Je vous fais un gros bisou. À mercredi. Ciao.